J'ai oublié un truc extrêmement important pour le Tietchaz. Bonsoir, monsieur le proviseur. Hein? Voilà, non, j'avais oublié les lunettes quand même. T'as ZNK. Ouais, ok, c'est bon. Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et Darvos. Darvositias. Darvositias. Ok, ZNK et Darvos, et je les ajoute et on est parti. Et voilà. Et ben merci, poulet. Bon Tietchaz. À tout à l'heure. Remember it. Du coup, on va faire ça, on va aller enlever ça, votre truc, votre vote, parce qu'il y a le droit qu'à un vote. Donc moi, je vous dis, je vous déconseille de taper, avant que je vous le dise. 1 Oregon, 2 Clubhouse, 3 Consulats, 4 Cafés, 5 Coastline, 6 Theme Park, 7 Villa, 8 Skyscraper. Maintenant, vous pouvez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le chat et ça va être bon. Il n'y a pas de 8 ? Merde. Ok, on refait le poll. Comme ça, ceux qui s'étaient chiés peuvent recommencer. Mais c'est gratte-ciel ! Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qui se passe, Rome? Pourquoi? Mais c'est gratte-ciel. Skyscraper. Alright? Skyscraper. Moi, je l'ai en anglais. Mais oui, c'est gratte-ciel. Mais ça veut dire pareil. Team. Xbox Series X versus... Non, je déconne. Versus PS5. Ça va gueuler, hein, moi, je vous le dis tout de suite. Ok. Du coup, c'est bon. C'est le 5 qui gagne. Laissez-moi deviner. Coastline. Putain, vous êtes vraiment les pires, quoi. Vous avez vraiment les pires goûts. C'est la pire map de tout le map pool, quasiment, quoi. Ah non, c'est ouf. Mais c'est parce que c'est la plus simple à apprendre, c'est pour ça. Donc c'est celle qui est... Non, mais elle est très bien. Non, c'est pas qu'elle est très bien, c'est que c'est la plus simple à apprendre. Alright, guys. Bon, ça a donné quoi? Il est pas mort, déjà? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas trop mal de se mettre là avec un vigilant. La position par rapport à la personne n'est pas si dégueulasse que ça. Il a un contrôle, du coup, de l'office qui est derrière lui. Et du mail, là, juste devant. Bon, derrière, erreur de la part du mec en face sur le droning, vraiment droning pas ouf. Mais il fait son taf, il contrôle le fait que la porte est ouverte, pas la peine de la regarder du coup parce que derrière ça peut toucher au niveau du blue. Ah, très belle interception, très très bien joué d'avoir ce contrôle là de la part de K6B. Très très bien. Pour couper toutes les possibilités de rotation justement. Du coup ce sera difficile de le noter. Un peu naïf peut-être sur la décale quand même. Quand on a pris le sunrise et tout, on doit s'attendre à ce genre de truc là en face de soi quoi. C'est vraiment un truc assez très utilisé depuis le début de Coastline quasiment. Donc un peu naïf. C'est parti, on peut commencer à noter. Vous avez 45 secondes pour voter pour ce vigile. Let's go. Il vous reste 2 secondes. Une seconde. Let's go. Vous avez mis la note de 6. Je suis d'accord. 6. 6 du coup pour le vigile, même si c'était un peu compliqué de le noter. Oui, oui, je sais, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'action, mais quand même, il a été un peu naïf par rapport à son rôle. Il est au bon endroit, il joue un vigile, il est pas trop mal, hein, franchement, le rapport entre la position de la personne et l'opérateur qui est choisi est vraiment pas dégueulasse. On a un bon contrôle et on évite de rester sur site. On a une logique de roaming ou en tout cas d'ancrage là. Mais derrière, en fait, il aurait quasiment pas dû bouger ou il aurait dû juste se relocaliser dans l'office, quoi. Une fois qu'on savait, parce qu'on est quasiment sûr qu'ils avaient pris le Sunrise, puisque forcément, il devait avoir l'information de la part de ses teammates à ce moment-là du jeu, puisqu'il l'avait laissé tomber, de toute façon. Le truc en face de lui, c'était le truc le plus obvious. Mais genre vraiment obvious, quoi. Hein. De faire un punch-out à cet endroit-là, c'est très très connu, quoi. Il aurait dû le jouer comme s'il avait la possibilité d'avoir une personne en face de lui. Naïf. Mais en soi, c'est pas dégueulasse, c'est ce qu'il a fait. Après, il fait le premier kill sur le Swiss, qui est pas dégueulasse, mais c'est plus une erreur de l'attaquant qu'un truc magnifique de la part du défenseur. Quadruple. Let's go. Merci évidemment, Léguise, pour les 5 mois de scolarité payés au sein du corpus de la Salty Academy. Merci à toi, Poulet, t'es un monstre. Comme un bon étudiant qui se respecte, t'as payé ses droits de scolarité. Bon, les décals sont un peu... sont pas mal. Et un peu... ça pourrait être plus précis. On pourrait venir lécher les arêtes. On a vu le... On l'a vu, ça. Là, il y a une erreur. Voilà, il y a une erreur énorme. Une grosse erreur, parce que... il y avait vraiment... en face de lui, à gauche, il y avait des bullet holes, quoi. Il aurait pu se faire surprendre vraiment par la Valkyrie, quoi. Qui a rien fait d'exceptionnel, en plus. Donc, on aurait pu être naïf. Bon, on connaît les lignes, visiblement. Parce que là, il aurait pu avoir un mec blue bar et la ligne était connue. C'était pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. La Claymore est... j'ai pas vu si le troisième truc passe ou pas. C'est pas à toi de jouer là avec ta Zofia. Ah, n'oubliez pas, hein, essayez de jouer l'opérateur par rapport... l'opérateur plus map, plus le temps qui reste, le nombre de personnes qui restent, égale ce que vous devez faire quasiment, quoi. Voilà, là, à la limite, je préfère.
Surtout qu'ils se connaissent pas quoi. C'est plutôt à lui d'aller mettre ce genre de push, d'aller se défaire d'un fil barbelé qui est à l'entrée de la kitchen s'ils ont envie de pusher sur la kitchen, d'aller niquer le mec qui est en dessous de lui avant de péter la trappe. Surtout qu'il a... Non, il a une clé barre. Hein. Attendez, il a utilisé ses... Pourquoi tu le fais pas? Voilà. Ouais, c'est à toi de faire ça là. Écoute, écoute quand tu l'as fait péter. Dommage. Là, il aura pu avoir un punch sur la droite. Quoique non. Il est fin trop tard, pas bon. On est un peu naïf encore. Tu vois, il aurait dû travailler sur la cuisine, c'était à lui d'aller faire le boulot. Et là, on sucks un peu. Et ça pardonne pas. Ça pardonne pas, c'est à lui malheureusement de faire le push au niveau de la cuisine, c'est à lui d'avoir ce contrôle. Déjà ensemble, il devrait avoir le contrôle du Sunrise, mais la Zofia là, en fait tout était bien au début, mis à part le fait qu'elle aurait dû quasiment péter la trappe bien avant. Il y a eu un moment où dans le VIP, elle était juste perdue en fait. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Alors que c'est à elle de venir, on est une Zofia et il reste pas beaucoup de temps et on est en infériorité numérique, bah c'est à toi d'aller tu vois, mettre le petit coup d'épaule sur le site quoi. Et avant ça, de défaire des personnes qui sont autour du site et de te défaire des fils barbelés quand il va falloir pusher, va falloir y aller donc voilà quoi. C'est dommage, en plus on meurt avec pas mal d'utilitaires, ah, c'est pas ouf. Du coup, on peut noter le joueur, c'est parti, 45 secondes pour noter la Zofia. C'est pas mauvais hein, c'est pas mauvais en termes de crosshair placement, en termes de connaissance des lignes, etc. machin, mais hein, ça manque... Dans R6, avec tous les utilitaires dont il faut se défaire quand on est en... tous les utilitaires qu'il faut utiliser quand on est en attaque et tous les utilitaires dont il faut se défaire quand on est contre les défenseurs, péter les fils barbelés, péter les trucs, etc. machin truc, il n'y a pas le temps de se toucher la nouille quoi. Hein, et là, quand il était dans le VIP, il s'est touché la nouille. On l'a vu. Les lignes étaient pas lui, il savait plus quoi faire en fait quoi. Alors que c'était pas con ce qu'il avait fait, tu vois. Une fois que t'as avancé à un endroit, une fois que t'as pris une case de plus sur l'échiquier, bah vas-y, prends une case encore de plus, puis prends une case de plus, puis voilà quoi. Il aurait dû pusher à cet endroit-là quoi. Ok, 45 secondes passées. Vous avez décidé de mettre entre 4 et 5, décidément on est connecté les amis ce soir. 4,5, j'ai mis. Ouais, j'ai le droit de me permettre de mettre des petites voilà quoi. Issou, qui est parti sur une... mais il lag un peu. On va voir du coup. Sur la Mélusie. Mélusie. 5. Ah, il va faire mon tricks. Lol. Ah, mon truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. La première fois que je l'ai vu, c'était quand on rate Katie. Mais je le fais tout le temps. C'est ça que je voulais dire. Rendons à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, là, je suis pas sûr du César. Je l'avais vu Major de Paris quand on rate Katie. Ou dans ces eaux-là, quoi. Un ou deux mois avant. Mais pas sûr que ce soit lui qui l'a inventé. Hein. En tout cas, il l'a utilisé. Je l'ai copié. Faut toujours dire si on a copié. Oh putain, reste pas là-haut, mange poulet. Bon, là, ça va. Parce que visiblement, les mecs ne savent pas péter les cams défaut de la map. Ce qui est un peu. Ce qui est un peu grave quand même. Ah, quand même. Non, ah non, toujours pas. Dommage. Yo, c'est un Teachus? Oui. Oui, oui. Il me semble. Attention. On regarde format. J'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe sur le chat, sur le stream. Je tape par exemple ce truc. Title. T'inquiète, I got you. Yo Six, ça va? Ouais, ça va. Merci de demander Miss Sutter Feu Enix. Alright. Non, c'est pas Turtle, c'est Title. Putain la vache, si vous confondez titre et tortue les mecs, c'est chaud quand même, hein. Allez pas dans un zoo. T'avais quoi comme problème de santé? Je l'ai toujours, je sais pas ce que j'ai. J'ai un scanner le 19. Les pieds, putain, prends. Regarde pas le trou du drone. C'est tellement. C'est ta position, c'est pour toi ici. Ok, ok, why not? Ok. Bon, dommage, pas trop du drone, mais bon, il fait le taf, il fait ce 4, il se donne pas, bon. On se donne pas, on meurt pas, on tient sa position. Personne ne push à position, bon ça c'est un autre truc quoi. Et derrière il le joue au C4 alors qu'il aurait pu vraiment le décaler salement, mais voilà quoi. Il attend que ça avance, on a entendu quoi? On a entendu le... Tu vois ce que je veux dire? Il a entendu son gadget, c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal, ça fait le taf.
Quelle est la note, les amis? Titre ninja, 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 titre ninja. Quatre titres d'enfer dans la vie. Ouais, c'est pour les vieux. Vous connaissez ça? La référence. La référence. Genre, Tortue Ninja, ici. Et en dessous, là. Naruto, juste là. Tu vois. Dragon Ball Z, Senseiya, vers là, là. Et là, là. En dessous de la caméra. SNK. Voilà, alors donc, on va partir sur qui? Ah oui, on va le noter. Entre, vous avez mis combien? Entre 6 et 7. Putain, vous êtes des monstres. 6 et demi. Hein? Voilà. C'était sûr! Arrête! Ah non, je suis en train de regarder en ce moment. Je kiffe bien. Et comme j'ai pas mangé, hein, eh bien, il faut que je me dirige vers la cantine du campus de la Salty Academy, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et si on se dirige vers le campus. La cantine, pardon. Du campus, hein, eh bien, c'est que je vous dis adieu.